11. Ya kumi na moja. Yesu. Bon, mukitaka citation, tandis que le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez une citation, mtajwa ndio ujumbe unaoitwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Paragraph 53. Mtajwa wa 53. Kama unataka kuvumbula kama mtu alishakashinda pombe. Si tu veux découvrir que quelqu'un déjà vaincu la boisson. Tie mushambre yepe. Place-le dans la chambre lui-même. Namwambie pombe hii na ufunge mlango mwambie. Et dis-lui, voici l'alcool, ferme la porte. Kama mtu ni mwenda banamuke. Si quelqu'un il flirte avec les femmes. Seme tia mwanamke mshambro muvalishe buchi ufunge mlango uende. Déshabille la femme. Kitana hakufanya kitu. Déshabille la femme et place-la dans la chambre et ferme la porte. Njoo utayua kama alishaka okoka. C'est maintenant là que tu comprendras que la personne est sauvée. Juku kuna benye banashindwa kafanya zambi juu balizikosa. Eh! Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à commettre les péchés parce qu'ils ont manqué les moyens de ah, les oui, faire. Ah oui, oui, oui. On manquait l'occasion. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à commettre les péchés exemple, parce qu'ils n'ont pas d'occasion et ils se vantent. Un exemple qui n'est pas mauvais. Wewe unaweza tuambie ulishaka shinda aseme ulishaka shinda msharati na bazungu. Ulishaka kuwa drage na mzungu. Est-ce que tu peux nous dire que tu as déjà vaincu l'impudicité, l'adultère avec les blancs? Tu as déjà été dragué par une blanche? Tu n'as jamais travaillé avec les blancs? Tu n'as jamais vécu avec les blancs? Il n'y a aucune blanche qui t'a aimé. Donc ce n'est pas sur la liste de tes témoignages. Parce que ce problème n'est jamais arrivé. Laisse les gens qui passent la journée avec eux et les ont aimés. Oui, oui. Toi, tu es en train d'écrire des scènes dans la machine. Elle vient derrière toi, elle te parle dans l'oreille. Excusez. Tu lui dis, Samani, Samani. Est-ce que tu peux me parler un peu à distance? Est-ce que... Ouais, nous, l'ishinda. Mais c'est mon chaka shinda franga, ou chaka shinda franga, ou l'ishinda 30 dollars. Toi, tu peux dire que tu as déjà gagné les... Tu lis mal, et hapa, il y a 300 millions de dollars. Qu'on te place une malle dans laquelle il y a 300 millions de dollars. 300 millions. Et on te dit, c'est pour toi. Tu vas bien, ni tour, moi. Fais-toi sortir là-bas. Quand on te place l'argent là, on dit qu'on détourne cet argent. Signe seulement ici que cet argent entre dans les rapports. Donne seulement le rapport en disant que nous l'avons utilisé dans le travail. Et que tu refuses, je ne sais pas. Toi, tu as juste vaincu un démon de 40 dollars et tu dis que tu as déjà vaincu le démon de l'argent. Ushuhuda ni byenye ulishakapimwa nabi ukabishinda. Ya 11 na 12. 11 12. Ya 11 na ya 12. La compréhension des choses. Kuelewa mambo. Pardonner. Unasamehe. Sans être embrouillé. Bila kusumbuliwa. Et consoler même celui qui vous a troublé. Unafariji hata na yule aliyekuvuruga. Numéro 11. Il y a combien de moja? Iko yulu sa. Il est tellement haut. Normalement, muhali ya mwanadamu. Normalement, dans l'être humain. Batu benye balishaka korogana. Les gens qui se sont déjà kerevés. Kurudisha urafiki. Pour qu'ils puissent revenir avec la mitre. Na roi kwe bien. Et que les cœurs reviennent. Ni mutu mwenye alishaka oko. C'est seulement quelqu'un qui est déjà sauvé. Kisha wana kuambie. Puis on te dit. Muna korogana na mutu. Vous vous querelez avec quelqu'un. Una msamehe. Tu lui pardonnes. Na unakuwa na muongelesha. Et tu commences à lui parler. Umuto shama huzuni. Pour lui faire enlever encore la tristesse et lui montrer que c'était fini. Moi je ne garde plus la colère. On a fini le dossier. Et tu les consoles. Normalement, celui qui t'a offensé, si tu ne t'habitues pas à lui, il va avoir peur de toi. Il va te fuir. Il aura peur de te regarder dans les yeux. Il croira que tu as encore la rancune. C'est à toi de lui pardonner et de t'habituer à lui et lui montrer que sois en paix. Amen, amen. Voilà. Toi, tu t'es querellé avec ton mari et vous faites encore 2 semaines sans vous parler et vous étiez repenti. Au lieu de te parler, de lui apporter le savon, il écrit sur un papier, savon dans les douches, dans la douche. Attendez, je vais vous faire montrer cela. Il
suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vraiment. 2 Corinthiens 2, 6. Et qui, Corinto apili, mili, sita. Et qui, il y bide ou le moutou. C'est pour ça que cette personne, même s'il t'a offensé, akaonekana lipigwa wala ma problème zenye alipata jua kukosea alishazipata. Et il a été prouvé que en t'offensant il a déjà été châtié. Lakini mais inakubidi wewe umemsamehe. Il te faudra lui avoir pardonné. Na umufariji. Et le consoler. Ili asiendelee kusononeka na huzuni mingi kuona li... Pour qu'il ne puisse pas continuer à être accablé par la tristesse excessive c'est vrai, en se rappelant qu'il t'avait offensé. Amen, amen. Ndiyo Yesué. Est-ce que vous aviez déjà vu ce verset? Quelqu'un t'offense. Tu lui pardonnes. Et tu les consoles. Ah bon? Maintenant, ceux qui n'ont pas grandi. Regarde, il a troublé, mais il est en train de lui parler. Mais ça, c'est pas normal. Moi, si on se querelle, je ne te salue plus. Mais c'est comme si ce frère n'est pas sérieux. Mais c'est celui-ci qui l'a troublé. Il est en train de le saluer. Il a même aidé hier. Ah, vous avez des cœurs durs. Non. La condition pour la glorification. Amen. Quelqu'un te voit. Et il n'y a personne avec laquelle tu t'es querellé et tu l'as transmis en ennemi. Jamais. Problème na tokea, les problèmes sont résolus, vous les résolvez, vous les résolvez et vous avancez. Si c'est quelqu'un que tu as chassé dans le travail, qui a fait faillir ton commerce, je l'avais encore prêché la fois passée, il devient malade, et si il tombe malade, tu paies même l'argent de sa facture à l'hôpital. Oui. Et tu l'avais chassé dans le travail. Amen, amen. Et il t'avait volé. Amen, amen. C'est vrai. Maintenant, toi, depuis que tu t'es querellé avec quelqu'un en 2017, tu ne l'as jamais salué jusqu'aujourd'hui. Quand l'équipe est finie, quand il passe là, toi aussi tu passes là. Tu es en train de surveiller la personne. Tu calcules maintenant là, elle a déjà descendu les escaliers. Maintenant, elle doit être déjà à la station. Tu restes en train de chanter à l'église. Pourtant, tu es en train de gérer personne. Pour que vous ne puissiez pas seulement vous faire rencontrer la face. Et toi, tu dois être glorifié. C'est qu'il y a comme message. C'est que ce n'est pas dans les messages. Pardonner. Consoler. Farigi, que cette personne ne soit pas toujours abattue, accablée par une tristesse excessive. Il y a le mtu asiendele kuteseka na kukerwa na huzuni siokoma. Tout naturellement. Parce que naturellement, nature manadam, dans la nature humaine, il y a cette tristesse. Je ne savais pas que ça pourrait se prolonger jusqu'à ce niveau. Nous étions bien. C'est seulement les diables. Et même elle, c'est que je n'ai jamais été mauvais. Ce qui est arrivé, mais est-ce qu'elle placera encore confiance en moi? Si elle est en train de penser comment? C'est comme si elle pense seulement que je suis mauvais. Aïe, comment ça va? Et comment? Abari gani? Bibi kwaye. Abari anyumbani. Mama yobi kwaye. Ça va? Mama, abari anyumbani. Bita kunyumu kamate kumakala. Passe à la maison pour prendre un peu de la braise. Ok. Mama. Mama. Eh, kamani konanini. Prends, je ne sais pas si j'ai... 5000 francs. J'ai 5000 francs. Vous allez acheter le sucre. Et vous étiez querellé. Amen, amen. Tu regardes l'argent comme ça. Ni de te qu'il m'aimait. Il ne pouvait pas me donner. Le fait de me donner, c'est bien montré que elle n'est plus en colère contre moi. Et tu dis. Mais toi, tu te querelles avec quelqu'un. Tu commences à le voir comme ça. Tu fais regarder comme ça dans l'air. Et il y a les gens ici qui se regardent avec dédain ici. Emma. Avec dédain.
Ici même, ici. Voilà. Mwikale pembeni. Vous êtes à côté. Anaona ni we. Et regarde que c'est toi. Anaenda ikala fasi. Elle va chercher une autre place. Yesu Christo Bwana. Muliokokea wapi? Vous étiez sauvé par où? Mutatukuzwa na nani? Vous serez glorifié par qui? Amen, amen, amen. Mutainuliwa na nani? Vous serez élevé par qui? Mbona hii kanisa iko ya mamiujiza? Pou. Cette église n'est pas seulement l'église des miracles. Non, non. Tout. Seulement. Abana. Non, non, non. Tunatayarisha roho za kunyakuli. Amen. Nous préparons le cœur prêt à l'enlèvement. Miujiza ziwe. Que les miracles soient là. Mungu atujibie. Que Dieu réponde. Atusaidie. Qu'il nous aide. Haiko pale tunasimama. Ce n'est pas par là où nous nous tenons. Tuwaone mumefika kwa Baba. Nous voulons vous voir arriver devant le Père. Amen. Vous allez me dire, frère. Est-ce que vraiment ça aussi c'est dans les messages? Uh-huh. Attends, je vais te montrer maintenant ça dans les messages. Alléluia! Amen! Notre Dieu, aide-nous. Que je ne puisse pas venir prêcher les autres et que puis après que ça devienne compliqué. Yeah! Écoute, la guérison divine. Katika ujumbe uponyaji wa kiungu. Paragraph 66. Sajo wa 166. Lorsqu'une naissance a lieu. Wakati de l'extérieur. Kumeonekana kuzaliwa kwa nje. De l'intérieur vers l'extérieur. Kutoka ndani hadi nje. L'enfant grandit s'il vit. Mtoto atakoma kama naishi. Il ne vit pas. Asipoishi. Il ne change pas. Hata badilika. Et c'est vrai. Je ni kweli. Eh bien. Vema. Lorsqu'une naissance est faite dans l'intérieur. C'est fait de l'intérieur. Wakati kuzaliwa inafanyika kwa ndani. L'enfant ne grandira-t-il pas? Je mtoto hatakoma. Le Christ qui est dans votre cœur devrait grandir chaque jour. Ule Kristo ambaye yu ndani ya moyo wako alipaswa koma siku kwa siku. Il devrait devenir plus gros. Alipaswa kuwa mnene zaidi. Plus puissant. Mwenye nguvu zaidi. Avoir une meilleure compréhension des choses. Kuwa unaelewa mambo vizuri. Pardonner. Unasamehe. Continuer de marcher comme Dieu le voudrait. Amen, amen. Unaendelea kutembea namna Mungu angependa. Que Christ, l'espérance de la gloire, soit formé en vous. Alléluia. Hadi hapo, Kristo aliye tumaini ya utukufu anaumbika ndani yako. Komala. Il grandit. Yesu kuna komala mumutu. Je suis en train de grandir. Komala. Il grandit. Paka ku niveau kwenye. Jusqu'au niveau où. Na pardonné. Tu pardonnes. Na samehe. Na una avancé. Et tu avances. Na songa mbele. Ndio. Wende ku magoti. Va à genoux. Cette personne dont tu sens que tu as rancune contre elle, c'est toi qui es tombé. Dio. Dio.